Mais salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Play du coup. J'ai pas encore fait le tuto. J'ai pas pris le temps de le finir correctement encore. Je suis encore en train de tester des choses. Et c'est vrai que, comme j'en avais parlé dans la news vite fait, c'est que au début je voulais vous le faire. Enfin, pour l'instant je suis sur l'objectif de vous le faire que sur les machines utilitaires des RevTools qui n'ont rien à voir avec la création de dimensions. Vu que je change d'ordi dans l'été, et donc tant que j'ai pas changé d'ordi, moi c'est le genre de choses que j'aime pas trop, parce que ça fait... Enfin, mon PC aime pas trop pour l'instant, donc va vraiment falloir que je change. Alors je sais, mais j'ai d'autres priorités aussi, donc forcément ça prend du temps. Mais de toute façon, toujours est-il que ce sera changé au pire pour septembre, vu qu'il y aura le début du stream en septembre, donc l'ordi aura... Normalement changer s'il m'arrive pas de couilles IRL. Bon, sinon, ça fait un petit moment que je suis pas venu, donc j'ai traîné, ça fait plus d'une heure que je traîne sur la map histoire de voir où j'en étais. Donc j'avais un problème au niveau de ma carrière, l'Ender Quarry qui ramenait plus rien, problème qui vient d'être réglé parce que en fait mes Ender Markers dans la dimension Black Hole se faisaient démolir, enfin ils se sont fait détruire, ils ont disparu. Donc est-ce que c'est parce qu'ils étaient dans le noir et quand c'est dans le noir c'est détruit? Je sais pas, donc du coup je les ai mis avec des torches et c'est reparti, ça refonctionne, ça défile, donc c'est très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, donc ça se passe bien. J'avais fait un gros test, alors oui, c'est vrai qu'on était parti sur ça, je sais plus si je vous en avais reparlé. Mais en fait, j'étais reparti sur mon boiler, j'avais voulu faire avec les plantes et tout, donc en dessous j'avais mis. Non, on va aller voir. Donc j'avais fait la zone là, et j'avais mis des plantations d'arbres et tout. Puis en fait, ça va pas comme je veux, ça me saoule. Donc du coup. J'ai laissé pour le moment. Et c'est pas grave. Faudra que j'aille chercher du pétrole et que je me fasse repasser. On va aller sur l'énergie fossile. Hein. Je vais aller chercher du pétrole, je ferai un tank et puis je le laisserai se remplir avec un. Comment ça s'appelle? Ah, je suis encore sur le truc de tout à l'heure. Hop. Hop, 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 voilà. Donc je disais, une raffinerie, raffinerie, un truc comme ça. Ouais, voilà. Donc je poserai ça. Enfin, vous connaissez le schéma, j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc je le referai pour le relancer. Donc mes tests, bon bah ça a quand même marché pendant un temps parce que ça m'a permis de remplir les trois piles là. Mais ça a pas donné ce que je voulais parce qu'en fait, je suis passé par Enderio pour récolter. Et puis il faut mettre une hache dedans. Et la hache, elle s'use. Donc j'avais même mis, j'avais testé avec des haches que j'ai pris en créatif, des grosses haches, mais de toute façon dans le temps c'est pas valable. Sachant le temps qu'il faut pour avoir des grosses haches qui soient destructibles, c'est pas intéressant du tout. Donc on verra ça plus tard. Là par contre ce que je voudrais faire, parce que je vais bientôt ouvrir le serveur. D'ailleurs à ce propos, pareil, j'ai reçu quelques demandes, donc merci à ceux qui ont répondu. Je peux comprendre que la tâche que je demandais n'est pas toujours enviée, puis tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Donc j'ai eu quelques réponses. J'ai fait un choix, enfin quelques réponses que je garde dans mes choix, pour être précis. Donc ces personnes se verront contacter rapidement. Du coup j'ai changé le nombre que j'en prendrai parce que finalement c'était peut-être un peu trop. Je préfère avoir eu de... Une ou deux personnes un peu plus j'estimerais de confiance entre guillemets. Et puis plus de joueurs tranquilles qui viennent se détendre ici cet été. Parce qu'en fait j'ai failli installer Agrarian Sky 2 ici sur le serveur. Donc du coup virer la map. Mais vu que j'aurais pas vraiment le temps cet été d'en profiter. Et vu qu'il n'est pas encore vraiment en version assez stable. Vu qu'il y a des mises à jour régulièrement. Ça me faisait chier d'installer un truc pour devoir le remettre à jour tout le temps. Donc, je préfère rester encore sur ça, même s'il y a Daybreaker qui est sorti là sur Feed the Beast. C'est pas. Il n'y a rien de sensas quoi. Il n'y a rien de spectaculaire. Donc voilà. Donc là, moi je voulais partir un peu sur les abeilles.
Donc, à la fin de cet épisode, je vous mettrai le lien de téléchargement de la map pour ceux qui veulent jouer chez eux tranquille. Je vous mettrai le. Je sais pas si je vous mettrai ça. Je vous mettrai sûrement dans les jours qui viennent, je referai de vidéo pour vous donner les dates exactes pour vous inscrire, pour venir jouer en tant que colon et non en tant qu'admin ou rien du tout, juste pour venir vous détendre. Donc, suite à cette vidéo, vous aurez toutes les explications. Donc, nous, on repart sur nos abeilles. Donc, je vais faire une petite ellipse juste pour voir tout ce qu'il me faut, histoire qu'on perde pas de temps et on se reprend après. À toutes. Bon, alors, on va passer par Gendustrie et ça va être assez long parce que il faudrait que je mette toutes les recettes en automatisation dans Applied. Mais c'est assez chiant à mettre tout en place. Je sais plus combien de place il me reste pour mettre des recettes automatiques dans Applied. Ça, non, ça. Alors, ça. Ah, mais si, il me reste plein de place. C'est parfait. Je pourrais juste pas tout faire en même temps, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, ça va aller. Il me reste beaucoup de place. C'est très bien. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir. Il me reste tout celle-ci aussi. Non, là, c'est pris. Je peux au moins en mettre un complet ici, ou au pire je referai un système global, c'est pas trop grave. Là c'est plein, là il reste 5 places. 5. 5. Là il m'en reste tout, donc 9. Ce qui fait 14, 14, 15, 16, 17 places, ça devrait largement suffire. Alors c'était quand même plus sympa avant parce qu'avec la chambre on pouvait trier proprement, donc là j'ai pas retourné dessus, donc on verra. Ça commence à être plein, il faudra que je remette des drives. Je crois que j'ai les recettes en plus, on va en demander deux tout de suite, au moins ce sera fait. J'ai les recettes, allez. Non, j'ai pas mis les recettes. Ah oh, bah on les fera plus tard, tant pis. J'ai pas mis les recettes. Ah oh, le boulet. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah si, si, c'est là. Voilà. Tu peux en faire deux ou deux, c'est trop. Ah non, c'est bon. Très bien. Donc du coup, pendant que ça fait ça, on va partir sur ça. Donc on mettra les recettes plus tard. Forcément, j'ai pas tout ce qu'il faut. Ah oui, c'est vrai, c'est chiant ça. Tac. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Bronze gear. Non, c'est pas cela que je veux. Bronze non plus. Je vais faire l'erreur deux fois. Bronze, bronze, tink alloy. Voilà, c'est cela que je veux. On va en refaire quelques-uns, de toute façon on va en avoir besoin. Hop. Donc, ça, x2, ok. 1, 2, très bien. Ensuite, ça, normalement, c'est bon, parfait. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et normalement, ça j'en ai pas, mais c'est pas grave. Ah, oh, j'ai plus. J'ai plus de bronze. Comment? Attendez, 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 attendez. Normalement, ça c'est facile. C'était un comme ça pour du copper. Pour du copper. Yes. Hop, un stack, parfait. Donc, on retourne là. On a dit ça. Hop. Et normalement, mutagène, c'est OK. Ensuite, mutatron. Alors, on va faire ça. Ça va falloir quelques-uns. Donc, on va en faire 4. Au moins, c'est fait. Mutatron. Donc, ça. 1, 2, 3, 4. On va en faire quelques-uns. Là. Hop. Ça, c'est bon. Ça, je l'ai parfait. Il nous en fallait un. Très bien. Du coup, ça, il nous en fallait 3. 1, 2, je savais que j'aurais plus de vitres. Du verre, faut que je refasse absolument cuire du verre. Je n'en ai plus. Beaucoup. Hop, donc on a dit ça, 1, et ça. Assembly table. Ha, forcément. Ou comme ça.
Oui, mais il faut quand même la sandwich table. Ok, bon. Assemblée. Bah du coup, on va partir avec ça. Oh tiens, j'en avais encore un qui traînait, ça c'est cool. Donc du coup, une table d'assemblage. Ce qui va nous demander des lasers, voilà, très bien. Alors, on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8. Voilà, ce sera bien comme ça. Les tuyaux, je les ai sur moi. Alors, il va nous falloir du coup. J'ai pas vu. Il nous fallait diamant, nether quartz et ça c'est voilà redstone. Donc je coupe, on se reprend après, ce sera mieux. Bon, du coup j'ai j'en ai mis combien? J'en ai mis 10. 10 ça va plus vite. Et donc ça c'est bon. Du coup, il nous fallait aussi. Je vais arrêter ça. Alors, on en était où? Mutatron, c'était pour ça. Donc, il fallait un chipset de diamant. Ok, donc ça, c'est bon. On va pas en faire 36 pour l'instant. Je peux en faire combien de ça? De toute façon, ça, on va en avoir besoin. Donc, il va tous les faire. Ce sera plus simple. Il faut combien? Il faut pas beaucoup en plus. 100 000. Oh, ça va aller vite. Ça va aller vite. Donc du coup là pour l'alimentation pour l'instant j'ai branché les piles comme ça. Ça laisse de la marge. Et puis de toute façon au pire j'ai le panneau solaire qu'il faudra que j'en refasse plein pour être tranquille. Ça reste la source d'énergie la plus pratique. Il n'y a pas à chier. Bon là je suis sous terre donc c'est un peu chiant. C'est vrai que ça c'est casse-couille. Mais ça reste quand même la plus pratique en source d'énergie. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais relancer des comme ça. Non, pas cela, pas cela, cela, voilà. Comme ça, au moins, j'en ai d'avance. Vu que ça sert pour plein de choses. Et on reprend là où on en était. Hop. Alors, on en était. Il faut. Les disques durs doivent être prêts d'ailleurs. Parfait. Et parfait. Hop. On va rééquilibrer tout ça. Il faudra que je refasse de la place ou que je vire cela pour mettre des comme ça. Mais ceux-là, ils sont pratiques pour le nombre d'objets, parce qu'on a des fois allez, 10 objets d'un type, donc c'est vrai que c'est pratique. Là, ça va se rééquilibrer, c'est très bien. Alors, le mutatron, paf, qu'est-ce qui nous manque? Ah bah oui, forcément. Voilà, mutatron, ça. Quoi? T'es ouf ou quoi? Je viens d'en mettre... Qu'est-ce qui me fait... Allô? Voilà, merci. Les industries à la pierrerie, on les fera après, parce qu'on les fera en fonction du double dont on a besoin, etc. Génétique imprinter, je crois que c'est pour faire ça. Non, c'est le sampler. C'est le sampler, donc de toute façon, on va tous les faire, on va pas se prendre la tête. C'est juste que je sais plus c'est lequel qui me sert. Transposer, simple. Je ne sais plus. C'est pas grave. Génétique imprinter, je crois que c'est pour pouvoir mettre les caractères du label sur l'autre. De toute manière, on en aura besoin. Donc, paf. On a dit deux comme ça. Ok. Ensuite, ça, j'en ai plus, c'est sûr. Je vais avoir un problème en termes de copper, je pense. Comme d'hab. Pourtant, j'ai relancé le quarry. Il n'y a pas de consommation de copper particulière. Bon, j'en ai 6 000, c'est vrai que ça laisse de la marge, on est d'accord, mais. Je vais en remettre encore, parce que comme ça, je vais faire un stack de gear direct, ça ira plus vite. 640, ok. Alors, nous on veut les Tinker Alloy. Là, hop, un stack, fin de l'histoire. Bon, maintenant c'est bon. Ça, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ça,
Voilà. Ensuite, je crois qu'on est bon. Non. Pourquoi il me prend pas ces fucking puces là? Elles sont là. Sérieux quoi. Chercher, ne pas chercher. Sans pleurs. Est-ce que je le fais tout de suite? Oui, de toute façon, j'en aurais sûrement besoin aussi. Donc c'est un comme ça. Très bien. Avec un comme ça. Très bien. Hop. Alors l'avantage de faire en grosse quantité comme je fais tout le temps par stack des certains objets, ça permet de pas être emmerdé quand on n'a pas encore automatisé toutes les recettes. C'est vrai que c'est bien pratique. Ça coûte plus cher, c'est des fois de la perte, mais c'est plus pratique. Il faut un mutatron pour l'avancée de mutatron, qu'on ne fera pas tout de suite. Posons le mutatron au sol. Je me souviens de ce que ça fait déjà. Ah oui, oh bah non, on va pas se faire l'advanced tout de suite, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Je le ferai si besoin. Protéines liquéfières, oui, ça on va faire. Alors, protéines liquéfières, il va nous manquer juste ça, je pense. Tout le reste doit être bon. Oui, parfait. DNA extracteur, c'est pareil, il va nous manquer ça. Et je crois qu'il nous en reste deux. Ah, il nous en reste qu'une. Crotte. Je vais aller chercher celle qui nous manque. Ok. Bon, il a bien bossé. Parfait. Hop, on va faire comme ça. On va arrêter ça. Et on va lancer ça. Hein? Est-ce qu'il nous en faudra un pour ça? Oui, deux. Nous on était là, il nous en faut deux. Ok, je les ai. Là, il en faut deux aussi. Et là, donc il nous en faut quatre. Quatre. Donc, deux. Il nous en faut encore trois, si je dis pas de conneries. Et puis après, il finira ça. Encore un. Bon. On va prendre celui-là aussi, comme ça, pendant qu'il fait les deux derniers, on va aller se faire deux machines et on viendra récupérer ça après. C'était le. Non, ça c'est fait. DNA extracteur. Voilà, ça c'est fait. Alors il les prend dans l'inventaire. Je comprends pas. Je comprends pas, génétique transposée, il nous faut un comme ça. Et là, il les prend dans la. C'est ouf, hein. Franchement, ça n'y rien comprendre. Il nous en manque une en fait. J'en ai fait plus, c'est pas grave. Bah, j'y fais. Ah ouais. Ah, il n'y a plus de diamants, mince. Quel débile! J'ai oublié les diamants. Il faut que je fasse absolument la télécommande. C'est plus possible. Ce n'est plus possible sans. En même temps, j'ai pas eu beaucoup le temps de jouer ces temps-ci. Tac. C'est pour ça que on met le serveur comme ça cet été. Comme ça, je peux jouer un peu. Ça fait un peu d'action. Puis ça me permettra. Ça permettra à tout le monde d'aller voir les idées d'un peu partout, histoire de se renouveler un peu. C'est souvent dans. Des gens ils filment pas ou autre, c'est une question de choix. Mais il y en a plein qui ont énormément de bonnes idées. Et ce serait bien de voir ce que eux ils font pour en profiter de leur expérience, pour qu'ils profitent de la nôtre. C'est intéressant, donc moi ouais, j'ai hâte de voir ça. Stop! Plus besoin. Ce serait intéressant, moi ça m'intéresserait beaucoup de voir, il y a des choses à prendre de tout partout, il y a des choses qu'on peut trouver super intéressantes ou non. Ça m'intéresse. Alors, deux comme ça, très bien. Je suis content d'avoir fait une armée de pistons. Ah, génétique transposeur. DNA. Ok. Et il les met toujours pas.
On va rigoler là. Là, je crois qu'on va rigoler. Si je fais ça, ça, bizarre. Et là, il les trouve. C'est ouf. Bref. Hop. Donc, j'industrie, on va la mettre ici parce que j'ai mis forestry. Mais en fait, forestry, ça regroupera plein de choses. Et je pense que je peux mettre. En fait, je suis en train de me demander. Je suis en train de me demander si on ne va pas simplement se poser là. Ah oui, ça c'est normal, hein, c'est pour mes tests. J'ai pas tout pété. Si on se posait par là pour les abeilles, genre là, il va me falloir énormément d'énergie. Qu'est-ce que j'ai là-haut? Qu'est-ce que j'ai tout là-haut? Ici j'ai rien. Ici j'ai rien et donc je vais mettre une source d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors je vais rien mettre pour l'instant. Je laisse le choix à ceux qui regarderont la vidéo, qui auront envie de répondre, de me dire qu'est-ce que vous mettriez là comme source d'énergie. Je ne l'ai pas écrit, hein. J'ai pas écrit ce que je voulais mettre là. Non. Donc je vous laisse le choix, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme source d'énergie ici, sachant que le big reactor et le boiler sont déjà faits. Ah oui, j'avais fait ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais voulu faire tout un réseau. Donc big reactor et boiler, c'est fait. J'ai pas d'autre source. Bon, solaire si vous voulez. Je peux mettre un champ de panneaux solaires là-dedans, mais bon. Ce compte-là, je ferai autrement. Trouvez-moi, dites-moi, qu'est-ce que je mets comme source d'énergie là-dedans pour alimenter j'industrie. Parce que vu qu'on a fait toutes nos machines, on va descendre. Et on va se poser là. Alors, je sais pas encore comment. Meurs. Je sais pas encore comment je vais faire. Je vais faire des murs, de toute façon. Je vais essayer de faire. Je vais pas mettre des murs, je vais mettre une sorte de barrière qui va délimiter un peu la zone, la seule zone avec une herbe correcte. Et on va se poser là, on va mettre les apiaries. On va mettre le système complet ici, à l'air libre, tranquille. Les machines contre le mur. Il faudra vraiment que je me mette à gratter tous les murs ici. Quoique non, ça sert à rien. Ouais, on va faire comme ça. J'ai bien envie de laisser ça à l'air. Donc on va mettre. Moi, je vais tout poser comme ça pour l'instant, histoire de me remettre un peu dans le bain. Parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai pas utilisé ces machines. Donc ce sera l'occasion. 1, 2, 3, 4. On va partir un petit peu comme ça aussi. Hop. Hop. Je pense déjà qu'il y en a. Il y en a au moins 3 qui sont pas à, la pla à leur place. C'est pas grave, il faut que je vais remettre un coup de nez dedans. Ça fait longtemps que je m'y suis pas mis. Je pense commencer peut-être bientôt une série sur Agrarian Sky 2 en solo. En espèce de mode accéléré, histoire qu'on puisse voir directement sur le mode. Parce que les tutos à côté, c'est bien, mais il y a plein de choses qui sont liées au fonctionnement d'Agrarian Sky. Donc, hors Agrarian Sky, je peux pas vous les expliquer proprement. Ou comment ça fonctionnerait dans Agrarian Sky. Donc, on verra. On verra. On verra. J'ai tout espacé comme un débile. Enfin bon, c'est pas grave. Moi, je vais faire le tout. Ah oui, ok. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça, je vais en avoir besoin très vite. Ça, je vais en avoir besoin aussi parce que ça va nous permettre de faire les combos. DNA Extractor. Oui, bah ça, de toute façon. Ça aussi, c'est mutagène, on aura besoin. Le mutatron. Tac, tac, tac. Oui, ok. De toute façon, il y a les recettes là. Ah oui. Common. Ça, c'est. Ah oui, le mutatron. Ah, l'avancée de mutatron, je vais peut-être aller le faire alors, ça ira plus vite. Oui, le mutatron, c'était ça. Je me suis trompé. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre de faire les fusions en un clic. Et ça, c'est juste trop bien. Et. RF mutagène, d'accord. Là, RF mutagène. Là, c'est pour extraire l'ADN des arbres et des abeilles, j'imagine. Normalement. Papillon, larve. Abeille, ok.
Ça c'est bien, on fera sûrement des arbres, du coup, faudra que je m'y mette un jour aux arbres. Là, c'est pour les protéines qu'on utilise pour génétique réplicateur. Ah oui, ok. Quand on a un template, ça nous permet de reproduire exactement ce qu'on voulait. Donc, le génétique sampler, ça, on l'a vu. Abyssal drone, ça donne un gène de l'abyssal drone. Ok, donc ça, on va l'utiliser aussi. Et ça, les protéines ne sont que pour celui-là, normalement. Génétique après. Ah oui, ça c'est quand on prend le template. Alors attends. Alors attends. DNA extracteur. Ah oui, c'est pas les mêmes. Ça permet de reproduire. Il faut n'importe quelle abeille pour reproduire n'importe. Parce que là on a 1000. Ok, ça marche. Génétique transposeur. Donc ça c'est pour faire des copies de ça. Ah oui, c'est pour se les échanger entre joueurs. Ok. Donc, génétique transposeur, ça pour l'instant je l'enlève, je m'en occuperai pas. Voilà, on va la ranger, il faudra que je prenne un coffre. Les templates, je vais sûrement les utiliser. Génétique sampler, ça aussi. Ça, pour l'instant, je vais les enlever parce que je vais pas les utiliser, donc je les rangerai après. Pour l'instant, je vais pas l'utiliser, je pense pas. Enfin, si je le ferai quand même, ça en fait. Réplicateur et transposeur, non. Par contre, ça, je vais le faire. Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est pas celui-là. Réplicateur, c'est peut-être celui-là. Oui, voilà. Celui-là, je vais le garder. Pour justement en faire un à chaque fois, histoire d'avoir une copie, alors que les autres, je ne les utiliserai pas. Ok, c'est très bien. Donc je mettrai tout ça en place, je mettrai des tuyaux et tout, et tout, et tout, et tout. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye les gens.